Instant, c'est pas sûr. Je verrai ça demain. Si je continue d'aider ou en stream, pour encore pour un moment ou pas. Mais aujourd'hui donc, on va reprendre donc les mists. On va, enfin moi je vais reprendre les mists. Ça doit faire au moins 15 ans que j'y ai pas touché, pour vous dire. Oh, ça va être mist normal, ça va pas être le mist remasterisé 3D, etc. Vu qu'apparemment j'ai eu qu'il y avait des petits soucis sur celui-là et que j'ai pas envie de me casser la tête avec. Donc ça sera mist en édition masterpiece. Mais le mist de base, du coup, j'espère en tout cas que vous allez apprécier ce stream. Ouais, et ce jeu donc qui est un point and click d'aventure vraiment sympathique qui date un peu mais qui est vraiment sympathique. Voilà donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le jeu, sur le stream, etc. On est là aussi avant tout pour discutailler ensemble aussi que ça se sur le jeu, mais aussi sur le stream, on peut parler de la vie de tous les jours. Si c'est pas trop si c'est pas trop indiscret, hein, je peux me. Oh, son bug un peu. Ah. Ah, ce son. I realized the moment I fell into the fissure that the book would not be destroyed as I had planned. It continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed. I must admit, however, such conjecture is futile. Eh merde, putain, c'est quoi ce bug? Oula, alors le mode fenêtre qui déconne, j'aime pas trop ça. Du coup, je vais le faire avec ces deux fenêtres cheloues là. Hop, ça va être mieux. Voilà, là ce sera mieux. Bah, du coup, ça fait quand même une deuxième fenêtre. Ça, c'est un peu dommage. Alors. Sion Games. Ah. Du coup, retour à un début de la cinématique. Un bouquin qui tombe dans une crevasse de dimension. Tac, c'est parti. Mist. Je me rappelle de ce petit. Oula, le vieux curseur comme à l'époque, quoi. Et voilà, donc on arrive ici, nous. Voilà, du coup.
Ah oui, c'est vrai que c'est du point and click standard. Alors. Donc là, on est ici. On peut pas avancer plus apparemment. Ah, il y a un petit passage ici. Oh, il y a un petit tunnel. C'est quoi ça? On descend. Voilà, donc c'est vraiment un point and click typique, hein. Pour ceux qui se posent la question. Donc hein, si vous connaissez un peu Siberia, etc., c'est vraiment le même type. Sauf que là, on voit pas notre personnage comme dans Siberia. Alors là, il y a un truc ici, j'ai l'impression. Non. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Une espèce de truc bizarre. Ouais, c'est un peu. Ouais, donc c'est un point non clic, donc on avance et on des boutons. À moins que. Hein, ça sert à quoi ça? Faut un peu. Ah. Alors, setting dimensional imager. Donc c'est un. Quelque chose qui permet d'avoir des dimensions topographiques, extrusion test, donc c'est pour la topographie. Water Turbulence Pool 67. Ah, c'est setting. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon, on va continuer à avancer, hein. Tranquille. Ah non, et les graphismes sont un peu cringe. J'ai pas pris le risque de prendre le HD machin, etc. J'ai le réalisme qui est un peu remasterisé, qui est une version un peu remasterisée, mais je suis vraiment pas sûr qu'il y ait des bons résultats. Ah, un autre bout du livre apparemment. Catherine, la vie est partie avec un message d'un utmost, d'une grande importance, dans notre fort chambre. Donc, dans notre fort chambre, c'est comme un fort house, c'est comme un star house. Donc, on va dire, dans notre mince fort. Dans notre grenier, enfin derrière le port, entre le numéro du marker switch on into the imager, donc on doit marquer le numéro de qui avait marqué le marker switch sur dans le de l'île pour retrouver le message dans. Donc c'était là où on était tout à l'heure en fait. C'était là le fort machin. Faut taper un numéro, mais je sais pas comment on tape leur numéro en fait. Hein? Je sais pas du tout. Alors, le numéro c'est switch diagramme. C'est 47. Faut le taper où ça? Ouais, tant pis, on verra.
On va voir si on monte, on va du coup monter. Hein. Voilà, c'était ce petit truc là. Non. Peut leur espèce de petite cabane là. Genre de switch. Si on monte, ça fait quoi? Non, faut qu'on tourne. On avance. C'est quoi si on va en haut? Ah là là, il y a encore un switch, apparemment. Donc là, une espèce de temple. On va essayer d'y retourner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Non, il n'y a rien qui s'est passé encore. On va essayer de retourner. Là, il y a un switch aussi. Ah, c'est peut-être ça. Là, ça s'ouvre. Waouh! C'est quoi ce truc? Il y a un truc bizarre. Ah, et là, c'est peut-être ça. Oula, faut faire une date. Ouais, c'est quoi ça? Attendez, on va retourner. Ah ok, ça c'est une lumière. The Imager to retrieve the message. Ok, donc on doit faire un code pour tout simplement des... Pour activer un message, franchement, Bissette Doc. Bissette est derrière. Donc, ça, c'est The Doc. On va essayer de rechercher ce qu'il y a là-dedans. Alors. 40, 67, 47. Ouais, c'est pas logique. 40, 67, 47. Ça m'étonnerait, mais bon. Non, ça peut pas être ça. Hop. Alors, si on voit là, c'est quoi cette salle? Une bibliothèque. Tiens. Une page déchirée. Ok, c'est vraiment des bouquins en sale état.
Le truc ici, c'est quoi ça? What? Ok, un escalier. Ok, c'est quoi cette salle? Genre une espèce de repère. Librairie. Wow. Donc là c'est la librairie, ok. Et c'est le menu. Pas piégé là. Alors, on avance. Ouch. Aïe. Excusez-moi, les petits moucherons, les petits moustiques chez moi. Alors. On a une clé apparemment. Alors là, c'est vraiment problématique, je suis perdu. Ah, librairie. Et là, on peut entrer dedans. Ok, tour. Non, en gros, ça nous dit qu'on allait à la tour, mais il nous manque toujours ce qu'on cherchait. Vu qu'on va essayer de chercher. Ah, attendez, une carte. Donc, on est là. Tower rotation. Non, là c'est là où on en était, ça nous servirait à quoi?
Ah, il y a un livre. Je me rappelle de ça. Je comprends pas trop ce qu'il dit. Ok. On va revoir. Question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un menu pour régler des trucs? C'est quoi si on va ici? Ah ok, le passage il se ferme. Ah mais en fait non, il est là le passage. Ça nous emmène où du coup? On va essayer de repasser en haut. Ah, il envoie un truc en hauteur. Donc ouais, des engrenages, ok, et à part ça faut que je découvre ce qu'il faut faire. Là, clairement, vu que je découvre à nous, enfin, vu que je redécouvre le jeu, ça va être un peu, un peu compliqué de me repérer. Alors, si on passe pas, non. On va repasser dans le couloir. On va essayer de sortir. Ah, bah là, du coup, on peut plus du tout sortir. C'est ballot. C'est ballot, champi. Ça, c'est l'espèce de journal qui parle. Ou les cartes. Donc, en fait, la carte, elle nous permet d'orienter la tour. Oui, un passage secret là. Oh, attendez. Ouh, c'est quoi ça? Ah, donc ça, c'était le passage secret. Là, c'est à nouveau. Ah, ok! Là, une espèce de puits avec un bateau. En fait, donc le truc qu'on voyait, c'était peut-être un bateau échoué en fait. Une feuille, ça fait quoi ça?
Ah, il y avait notre switch là. Ouais, ça doit être un petit casse-tête. Ouais, une croix, pardon. Non, ça fait rien. On va essayer de repasser. Donc, ça, c'était la tour. Ouais, donc ça c'est bien une épave de bateau. Ok. Bon, je sais toujours pas ce qu'il faut faire par contre. Je m'en excuse, mais... On entend une espèce de bruit de machine. Si on redescendait, ça nous emmène où? Hop, on descend. Est-ce que ça a changé quelque chose en bas? Ah, toujours pas. Un truc ici, une espèce d'horloge. Là, il y a des valves, mais à mon avis, il faut qu'on fasse ce qu'il nous avait dit. On va voir ce que c'est bien un switch. Je sais pas à quoi ça sert. On a de l'électricité. Ah ouais. Ok, donc là c'est un truc pour faire de l'électricité. Donc là, il y a un dirigeable apparemment. Ah, c'est une fusée, je sais pas à quoi elle va servir. Ah, ok, donc ça servira à lancer donc l'énergie pour la fusée. Ah putain, mi-2000. On va retourner, il y avait des chiffres. On va voir ce que ça fait. On va essayer de se... Je me rappelle plus du tout ce que c'est du coup les chiffres de tout à l'heure. J'étais trop concentré sur ce qui se passait. Non.
Voilà. On va descendre. Il y avait des chiffres. Alors. Quarante, 67, 47. Hop. Même si je suis pas sûr que ce soit réellement ça. Vu qu'apparemment c'était une date hein, qui nous demandait. Hop. Donc ça, c'est un visionneur. Peut-être 1940, peut-être. Non, mais il n'y a pas 67 heures. Quarante, 67, non, c'est pas possible. Alors, c'est pas ça. On va essayer de voir ce qu'ils disent. Je vais essayer de relire ce papier. Alors, life left nanana, beside the dock ont entré le numéro du marqueur switch on this island into the imager to retrieve the message. Alors, donc le numéro, et c'est Atrus qui nous dit ça. Donc Etrus qui est, je crois que c'est un personnage important, le personnage du jeu, je crois. Quel numéro? Alors. 40, 67, 47, topographical test. Non, mais c'est pas ça. Faut retrouver une date, je suppose. On essaie de se balader un peu partout. Parce que là, clairement, je sais pas ce qu'il faut faire.
conseille d'activer le switch. Donc clairement elle a même pas démarré. Faut essayer de rétablir l'électricité. Une autruche va rentrer là-dedans. Là, il y a un nouveau truc qui était déverrouillé. Ok, là on a la fusée. En gros, là du coup, c'est notre carte, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Et voilà, là c'est l'escalier. Qu'est-ce qu'il va nous... Ah mais là ça nous fait un petit passage. Un bouton. Ah ah. Est-ce qu'il n'y aura pas par hasard des motifs à faire là-dedans? Non, je sais pas du tout ce que c'est ce truc en fait. Hop, on va essayer de repasser ici. Bien sûr que c'est un genre de code bizarre. Eh ben là du coup on est bloqué, ok. C'est malin ça. Donc déjà je pense qu'il va falloir qu'on repositionne bien la tour. Reste à savoir où l'orienter. Déjà, faut qu'on retrouve le code qui est marqué derrière le port, mais enfin derrière le quai, mais le quai. Ok, donc quand c'est rouge, c'est sûr qu'on peut pas sortir, je suppose. Toujours coincé. Ah, donc là c'est la sortie, ok, il y a une entrée et une sortie apparemment.
Non, j'ai toujours rien pigé en fait. Donc la tour, elle est là en fait. Elle nous permet de voir quoi cette tour? C'est ça la question que je me pose. Number of the marker switch. Ah, le nombre. Donc il n'y en a qu'un seul. Ah, c'est 40. Est-ce que ce serait pas 1940 par hasard? Ah, c'est 47. 40, 67, 47. Ah, peut-être là. Ou alors peut-être faire la date d'aujourd'hui, on va essayer. Alors, on est en... Non. C'est pas encore ça. Juin et on est le 25. On va voir si on fait notre date. Oh, ça marche pas. C'est pas ça du tout. Jeter la lumière, ça fait quoi? Y a pas un truc qui se dévoile? Donc quoi, ouais, juste un ciel étoilé. Ok. Toujours pas trouvé la sortie, ce qu'il faut faire ou autre. Alors, ce serait peut-être 1800, je sais pas quoi. On va essayer d'aller dans l'espèce d'église là.
Oh, ça va rien faire, je pense. Ah, une cabane. Est-ce que c'était ça par hasard? Une espèce de chaudière. Ah, un code à trois chiffres, donc c'est même pas ça. Bon. On est coincé, les amis. On est coincé, clairement, là. Je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Ça fait quoi si je descends, là? Ah, la mine! Fort, je sais pas quoi, ça doit être une mine. Ok, donc ça c'est des genres de générateurs. Alors, power spaceship, to spaceship, ok. Donc ça c'est un générateur switch à puissance. Y a toujours rien ici. Rien switch là. Power shell. Je sais toujours pas. Ah, attendez, c'est quoi ça? On dirait un genre de mât. Un arbre. Ah, c'est un casse-tête. Alors, l'heure. Alors, ça met 6h. 6h10. Ouais, c'est 6h10. Et il faut une date. Fait quoi si je monte ici? Ah, il y a un petit switch. Non.
Mais c'est le matin. C'est encore jour. Non, ça marche toujours pas. Ah, ça permet de voir l'étoile. Mais j'ai pas compris. Donc ça, apparemment, c'est pour voir les étoiles. Je sais toujours pas. Quarante, 67, 47. Mais ça sert à quoi ça? Attendez. Il y a un bouton là. Ah! Ok. Est-ce que là, ça marche? Ah, enfin! Putain, c'est quoi ça? Une espèce d'objet. Donc ça parle des leviers. Des leviers. Alors, si avec 40 peut-être, on va voir ce que ça va donner. Ça fait les leviers. Alors. En fait, c'est juste de l'eau. Bon, c'est 40. Oh, tu me laisses tranquille, toi. Dana, tu me laisses tranquille. Dana, tu arrêtes. Et là, on a une espèce de... Non, on a la topographie là. Ok. On a la topographie de l'île. Ok. Et... Ça doit être encore un casse-tête. Non, c'est rouge, ça veut pas.
Alors. Je sais pas du tout à quoi ça va nous servir. Reprendrai tout à l'heure. Collège de Nîmes. Ah, c'est clairement un mystère justement ce qu'il faut faire là. Alors on va retourner dans l'espèce de salle, l'espèce de bibliothèque. Alors le journal, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas moyen de voir les menus. Je comprends pas trop ce qu'il dit, mais bon. Bon. Je sais toujours pas ce qu'il faut faire, c'est pas grave. Là, une espèce de cachette. Bon, c'est toujours pas ça, je sais pas ce qu'il faut faire. Mystère, c'est vraiment un mystère ce truc. Alors. Hop, on rouvre la porte. Clairement, je suis paumé. Je me rappelle plus du tout ce qu'il faut faire. À l'époque, je savais, mais là, clairement. Attendez. Il reste plus que cet endroit, mais comment on y va, quoi? Une espèce de valve.
Bon, là, ça sert à rien. Voilà, on va essayer de retourner dans leur... Alors. Soixante-sept. Il y a un coffre, mais je sais pas du tout à quoi il sert. Essayer de trouver un code. Donc, on sait pas par là. Il nous reste. Ah, et l'heure, elle a changé en plus. Bien sûr. Là, il y a un switch. Il y a des espèces de boutons. Clairement. Alors non, c'est pas ça. Voilà, c'est vraiment le petit souci là. Tac. Sert à quoi cette fusée du coup? On va essayer de retourner l'espèce de générateur. On va voir peut-être, on va essayer de retourner aussi peut-être au bateau, peut-être que on aura un indice. Ça nous parle du bateau là. Il y a un bateau, là il y a ça. Non, mais ça ne mène nulle part. Me rappelle que j'avais autant bûché à l'époque, mais je me rappelle pas que c'était comme ça, quoi. Bah, ça, c'est un genre de truc pour voir les étoiles. Là, faut rentrer une date. J'ai mis. Maintenant, on essaie d'aligner tous les trucs, peut-être que... Non. Y a pas une autre note par hasard?
On peut tarder à manger après, je pense. Là, c'est là les générateurs, c'est bon, je me rappelle. Je suis paumé. Il manque ce dernier là, il a là encore changé, je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis perdu. Bah, j'ai fait le tour de tout, je peux pas aller ici. C'est quoi ce Beans? Bon, je vais peut-être arrêter pour aujourd'hui, 19h20. Bon, ça aurait été un petit stream, hein, mais bon, vu que je tourne en rond là, et que je commence à avoir faim, on va se laisser là. Du coup, pour ceux qui sont passés, je vous remercie d'avoir été présents. Je reprendrai peut-être la suite dans la soirée en fonction de la soirée, mais si je reprendrai, ce sera vraiment tard.
Parce que là, ce soir à 21h, je serai, hein, je regarderai le stream de Nîmes Rodel, voilà, que je vous conseille, hein, vivement d'aller voir. Donc c'est une streameuse, hein, de notre communauté vraiment sympa, voilà, qui va nous faire un petit JD adaptation Twitch d'un jeu de rôle sur Sherlock Holmes. Voilà, donc si vous soyez là pour son retour sur Twitch, moi je vous remercie d'avoir été présent sur ce stream. Je vais pas, tant pis, c'est pas grave. Du coup, tout simplement, on va voir qui c'est qui stream. Je vais lâcher un petit host, ça, histoire de faire plaisir. Et comme ça, vraiment, vous pourrez regarder un autre stream en attendant. En attendant celui de Nîmes. Donc, je vais vous emmener chez Elser. Et moi, je vous dis merci à tous. C'était Champi, Jeanne.